Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai une petite astuce à vous montrer qui m'a été envoyée par Adrien, lecteur de Corben.info, et qui concerne ces petits téléphones, les téléphones Wiko, que vous connaissez sans doute, hein. Voilà, je ne sais pas si on voit le logo, voilà ici, les petits Wiko. Et donc, c'est une astuce qui va vous permettre de redémarrer n'importe quel Wiko. Alors, en théorie, n'importe quel Wiko, hein, j'en ai pas assez pour tester, mais Adrien en a testé plusieurs. Moi, j'ai le Wiko Sync. Avec laquelle ça fonctionne. Et en fait, c'est une petite bidouille qui va vous permettre de redémarrer n'importe quel Wiko Sync, de le rebooter à distance. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simple. Avec un autre téléphone, il suffit d'envoyer un SMS au Wiko avec simplement le symbole égal dedans. Voilà. C'est-à-dire que voilà, je vais envoyer à partir de mon Nexus le symbole égal à ce Wiko. Et vous allez voir, ça va. Alors, je vais essayer de régler la. Voilà, et vous allez voir, ça va rebooter. C'est absolument hallucinant. Je déverrouille, je vais vous montrer ça. Voilà, il est déverrouillé, je laisse se charger. Et moi, de l'autre côté avec ma main, comme ça, vous voyez que je ne triche pas, j'envoie mon SMS. Voilà, Manu a envoyé un SMS. Et là, bouh, ça redémarre! C'est un truc de malade. Donc il y a un bug dans les téléphones Wiko qui en fait, hey, je suis flou, qui permet tout simplement de redémarrer les téléphones à distance juste en envoyant le symbole égal. Alors faites le test chez vous, vous allez voir, c'est plutôt rigolo. Et puis bah voilà, c'est un petit truc, ça prête pas forcément à conséquence que de toute façon le téléphone reboot, mais en tout cas c'est une bonne petite astuce pour jouer avec les collègues ou avec les amis. Allez, merci Adrien, ciao les gars.